Donc bienvenue dans cette phase presque finale. Donc maintenant que notre objet est prêt pour la sculpture, nous allons passer donc dans le layout de sculpting. Toc. Nous voici en présence de notre personnage. Donc par défaut dans l'affichage, il nous a mis un matcap permettant de sculpter ressemblant à l'argile. Vous pouvez vous amuser à choisir celui que vous voulez pour sculpter. On va imaginer les possibilités comme ça de voir réflexion etc d'avoir vraiment une visibilité sur son maillage donc là je vais rester dans le matcap standard de base et à ce stade donc on va avoir un peu à apprendre à configurer son interface pour être vraiment au top pour pouvoir sculpter donc par défaut donc vous avez à gauche la barre d'outils en mode sculpt que l'on retrouve ici que l'on pourra dont on pourra sortir en passant dans Object Mode, Sculpt Mode. On va étirer la barre d'outils pour bien voir les différentes fonctions que nous allons apprendre. Donc j'insiste pour que ce soit opérationnel de la même manière, euh, que vous ayez exactement les mêmes choses que moi, de bien mettre Blender en version 2.81 bêta. Donc la première vidéo l'explique. Si ou non vous n'aurez pas les mêmes outils, il y a eu beaucoup d'évolutions en 2.80 bêta. Moi, bon, la dernière release de l'alpha et la bêta comporte énormément d'additions dans le sculpt. Je ne vais pas vous parler de toutes les fonctions de toute manière. C'est vraiment des bases de la sculpture que l'on va voir. Et cela, déjà, en tout cas, pour rien que nos outils de base, le, la forme du pinceau visible à l'écran a été encore remodifiée dans la dernière version. Donc, bien se mettre à jour avant d'attaquer la suite. Donc, déjà, donc pour commencer, nous allons Optimiser notre interface de travail. Nous n'avons plus besoin de voir tout ça, le panneau latéral. Et donc, on peut masquer ce panneau latéral par le raccourci CTRL barre espace. Et on peut aller encore plus loin, masquer tout ce qui est présent dans l'interface. Rappelez-vous, les raccourcis T et N vont vous permettre de basculer l'affichage des panneaux de contrôle N et T au clavier. Pour les afficher ou les masquer. Le n'ayant pas de raccourci clavier pour le tool setting, c'est la barre du haut, je vais tout simplement rajouter cette fonction là dans mon quick launch. Donc le raccourci, je fais un clic droit, add to quick favorite. Hop, tout bêtement. Maintenant dans l'area, donc là c'est là où on retrouve le raccourci que je vous ai montré, le control space bar. Attention, tout le monde n'arrivera pas à avoir le raccourci CTRL-ALT-Space Bar, donc on a eu des problèmes sur Mac, donc n'hésitez pas à Toggle Fullscreen Area de le mettre aussi dans le Quick Favorite. Pour accéder au Quick Favorite, il n'y a rien de plus simple, Q au clavier, et ouvrira donc mon objet Toggle Fullscreen Area. Hop, je suis en Fullscreen Area. Bien évidemment, pour en sortir, CTRL-ALT-Bar-Espace pour y rentrer ou y sortir. Une fois que je suis en plein écran, donc N pour réafficher mon panneau latéral, T pour afficher mes outils, et dans mon kick launch, du coup, je n'ai pas accès autrement par le Q. Là, je vais hop, mettre tout le setting à nouveau, et hop, donc du coup, là, j'ai accès à toutes les options de la dernière version. Qu'est-ce que le sculpte Donc, le Sculpt va vous permettre, donc, bien évidemment, de sculpter. À partir du moment où on a envie de sculpter, on a tout simplement par défaut, donc là je vais vous mettre les outils de sculpte, donc je vais dans la partie tool de mon panneau latéral, et là je retrouverai donc tout ce que nous avions dans la partie euh, de notre panneau de propriété. Donc on retrouvera ici la possibilité donc de choisir sur quelle symétrie on travaille. Par défaut, c'est le bon axe, le miroir se fait sur x, on voit bien ma souris, que je sois d'un côté ou de l'autre travaillera en symétrie. Qu'est-ce que fait la sculpture donc Pour ce faire, je vais passer en Edit Mode. En fait, vous allez juste pousser les points existants. Les pousser, les tirer. Donc quand je commence à cliquer, là on va commencer à faire un petit col, automatiquement, là on voit, je pousse le maillage existant. Un simple clic me permet donc, par cliquer, glisser, de donner hop, un volume à mon sculpte. On va faire un coup, euh, voilà, toc. Je tourne un petit peu mieux. Majuscule va vous permettre automatiquement d'accéder au lissage. Par défaut, le, le lissage est très fort, donc il va falloir le régler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lissage, en fonction de la densité de maillage que vous avez, bah, il faudra le régler. Donc je vais automatiquement donc, sur la partie smooth ici, et je vais le mettre dans sa valeur à 0.5. Et là mon lissage sera un peu moins fort. Bon, il est encore trop fort je trouve, donc là je vais vraiment le baisser à point 2 et on verra quand on, plus on aura de maillage, plus il faudra regrimper. Qu'est-ce que j'ai fait CTRL Z, voilà. le point 2 c'était ici. Voilà. Et là on va lisser un peu moins violemment. Donc là je vais pouvoir revenir avec mon draw, continuer à pousser légèrement mon maillage. Ok. On va essayer de faire des petites manches. Voilà, hop, je viens tout simplement pousser un peu mon maillage. Ok, on va pouvoir lisser par exemple là ces transitions pour avoir quelque chose de moins apparent à une bordure. Donc là, du coup, je reviens sur mon smooth qui me semble un peu faible, donc je grimpe légèrement sa force. Hop là, comme ça. Ça fonctionne plus comme je le voudrais, donc on lisse certaines parties, ce qui me permet de faire un peu un raccord avec le reste. Que voilà. Donc, on a des outils après qui sont très intéressants. On va par exemple prendre le pinch, le pinch va nous permettre par exemple d'écraser notre sélection. Vous voyez, hop, donc là on va juste rendre ça plus saillant, d'accord. Ensuite, Crease va permettre lui de resserrer cette section là, là pour marquer l'extérieur, faire vraiment une coupure de ma géométrie, hop, avec Crease, comme cela. On peut le faire un peu aussi sur les manches. à l'avant et à l'arrière, ne pas oublier. Et on va peut-être essayer ici un peu de creuser la partie autour du cou. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un peu nodé, il y a un peu un nœud ici, je viens avec majuscule, hop, détendre un peu cette zone-là que j'aime pas trop. Voilà, comme ça. Toc. Pareil, là, on voit une espèce de surplomb qui n'est pas forcément très très joli. Je viens le gommer avec majuscule. On va reprendre un peu du crease ici voilà, pour venir découper mieux et la lisser cette partie qui m'avait l'air un peu catastrophique. Donc jusqu'ici, tout va bien. On va commencer à attaquer la tête. Donc par exemple, je reviens avec l'outil Draw. Je vais commencer à marquer un petit peu les formes de mon visage. Et pour creuser, tout simplement, je vais appuyer sur contrôle. Contrôle va vous permettre de creuser. Donc là, je sors un peu plus son nez. Je vais lui donner un peu plus de menton. Donc mon personnage risque de ne pas être forcément très joli. Hein. C'est une première phase. Je sors un peu les pommettes. Je lisse légèrement autour ici. Ce qu'on va vite constater, par contre, c'est malgré la subdivision qu'on a donnée à un moment donné à notre maillage, nous n'allons pas avoir assez de maillage pour pouvoir aller plus loin. J'appuie sur le bouton Tab pour vous montrer l'édit mode. Nous ne jouons que sur ces points-là existants. Donc quoi qu'il arrive, nous ne créons pour l'instant pas du tout de nouveaux points. Pour arriver à créer des nouveaux points, il va tout bêtement falloir activer le mode dynamique topo. Il va vous donner un message d'avertissement vous indiquant que si vous avez créé au préalable des coordonnées de texture, ce qu'on n'a pas encore vu dans le tuto, dont on parlera plus tard, donc pour l'instant on n'en a pas du tout. Moi on en a de la boîte d'origine, mais en gros si je veux peindre sur ma géométrie, il faudra le faire. DIN topo, donc on va supprimer en fait ces informations de, du V. DIM Topo, c'est un outil qui va vous permettre de automatiquement générer un maillage par-dessus votre géométrie. Automatiquement, à chaque clic, en fonction du zoom que je vais faire. Donc là, vous voyez, là, il s'est remis en DIM Topo, donc il a triangulé complètement mon maillage. On va conserver la fonction Smooth Shading pour conserver un maillage lissé. La, le détail size, en fait, c'est ce qui va être généré. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'outil. On imagine, là, je vais commencer ici, sur sa tête à faire une oreille. Automatiquement, là, quand je vais cliquer, et que je vais zoomer, donc attention, hop, là, je sors un peu plus de maillage, contrôle pour cliquer, hop, automatiquement, on voit, si j'enlève là le smooth shading, qu'il a régénéré du maillage là où je suis en train de travailler. Si je vais encore plus bas, on va vraiment pouvoir régénérer un maillage directement, contrôle pour creuser. Là, par exemple, on va lui sortir un peu son lobe et je réactive le lissage là pour qu'on voit mieux mon résultat. Mais c'est pas très joli. Hop, contrôle pour creuser. Là, on va redessiner un peu mieux tout ça. Donc pour l'instant, je suis en train de travailler à la souris. On verra que le travail à la palette graphique sera bien évidemment avec un résultat vraiment mieux. Et plus rapide pour donner des effets de sculpture. Un petit coup de lissage derrière, là pour hop. Et pourquoi pas se mettre derrière mon oreille, venir chercher le fameux crease, 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 qui va me permettre comme ça de creuser légèrement l'arrière de mon oreille. Donc là je zoome pour avoir plus de maillage. Ok. D'accord donc là, quoi qu'il arrive, on arrive à avoir un maillage progressivement qui va pouvoir se dessiner. Donc là je viens hop, sur le draw commencer à sortir un petit peu les lèvres. On va prendre le grab. Grab, attention, lui il va falloir le grossir. Donc pour le grossir, j'ai deux options. Pour l'instant, je n'ai pas changé depuis le début la taille de mon outil, j'ai juste utilisé le zoom pour pouvoir avoir différentes épaisse tailles de, de pinceau. Un clic droit, là je vais grossir mon radius. Et commencer à graber pour redonner des formes un peu plus sympas à ma tête si mon nez voilà ouais, on peut comme ça réorganiser un peu tout l'ensemble faire son oreille un peu plus comme on veut etc avec grab donc on déplace le maillage en fonction de la taille de notre pinceau à comprendre les deux cercles expliquent ceci le premier le, le cercle interne c'est 100% du maillage va être concerné et la distance que l'on a avec l'autre cercle extérieur c'est l'atténuation par exemple on voit bien là si je bouge je bouge à 100% que ce qui est dans mon cercle après l'atténuation permet à elle de pouvoir atténuer donc le, le déplacement de son curseur pour pouvoir tout bêtement euh, hop comme ça reprendre un peu en main tout l'ensemble donc par contre une fois de plus le DIN TOPO est très pratique, on va pouvoir sculpter. Et là, comme je vous l'explique, c'est effectivement une vidéo juste pour prendre en main les outils de sculpture. On ira plus loin, bien évidemment, dans d'autres saisons. Donc là, nous allons voir une des options, justement, qui n'est disponible uniquement de cette façon-là dans la dernière version de la bêta, notamment le remèche. Dans le remèche, vous allez pouvoir, comme ça, faire tout un tas de choses, notamment redéfinir la définition de votre maillage. Vous le retrouvez aussi dans le panneau. Remèche et vous allez pouvoir comme ça appliquer un, une redivision de votre maillage automatique en fonction de ce que vous allez demander ici. Si vous avez le DIN TOPO d'actif, le remèche lui-même ne sera pas accessible. DIN TOPO créant lui-même son propre maillage. Donc si je décoche le DIN TOPO, j'ai accès au remèche. Donc à ce stade, je vais d'abord faire vite fait un CTRL ALT S pour avoir. Euh, une autre... Oh, ça n'a pas marché. Ah, il faut peut-être que je sorte de mon... hop, Ctrl Alt S. Ah bah le raccourci. C'est parce que c'est mage. Oui d'accord. Ctrl Mage Ctrl S. Et là je vais faire une sauvegarde supplémentaire. Avant d'aller plus loin. Donc là je repasse en plein en, 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 en entrée. En fait c'était Ctrl Mage S. Oui bien évidemment. Si je faisais Ctrl Alt S ça ne marchait pas. Donc me revoilà en plein écran. Donc je réactive mes outils. Voilà, toc toc. Donc je suis dans mon remèche. Mon remèche lui va me permettre tout bêtement remèche, toc. Donc là chaque carré fait 10 cm. À bien comprendre. Ctrl Z. Si je lui demande par exemple d'avoir 0.001, ça va être carrément du millimètre. Donc on va peut-être pas exagérer. Donc on va lui demander déjà au centimètre pour voir ce que ça donne. Voilà, automatiquement il l'a fait. Donc là, bien évidemment, on n'a pas de lissage affiché au résultat. Si je repassais par exemple en DIN Topo avec l'option Smooth Shading, là j'aurais automatiquement à peu près la même visibilité que tout à l'heure. Je vais rechanger la taille de mon pinceau. Alors le raccourci pour le, la modification du pinceau, c'est F qui va vous permettre directement de choisir la taille de votre pinceau. D'accord Donc là je vais venir maintenant un peu plus sculpter mon visage. Donc là, je suis avec le grab. Donc je vais repasser avec le draw. Et là, hop, commencer à sculpter un peu mieux mes formes. Contrôle pour creuser. Lissage ici. On vient petit à petit comme ça. Hop, là, je fais un coup de shift pour lisser mes dernières modélisations avec le dintopo. Et là on va par exemple contrôle cr creuser un petit peu ici, ressortir un petit peu la lèvre supérieure. Pourquoi pas venir utiliser l'outil euh, Draw Sharp, on va le prendre lui, Hop, qui va venir me permettre de creuser cette zone. Hop, un petit coup de mage ici là, pour venir lisser tout ça. On va venir recroser ici avec le draw un peu plus notre œil. Alors, des fois, vous aurez quelques artefacts comme ça. Vous faites simplement tab et vous revenez. Ah, là, c'est carrément pas bon. Donc, là, je viens le faire en mode lissage plutôt. Mais des fois, vous aurez quelques artefacts qui vont apparaître. Et il faudra souvent revenir sur le mode edit mode pour pouvoir prendre en compte. Il faut savoir que là, il recrée une géométrie au fur et à mesure. Et voilà, mon personnage commence à être un peu plus stylisé. On va imaginer là, j'ai commencé à lui faire un peu ses chaussures. Alors une fois de plus, on va venir en draw, lui dessiner des, hop, des épaisseurs ici pour faire un peu un lien entre les deux. Donc, on verra qu'à la palette graphite, je fais un petit CTRL Z là, du dernier clic. Hop on va donner quelques plis dans notre pantalon, comme ça, pour le, le rendre moins rigide. Majuscule pour effacer un petit peu ce qui est trop en volume. Voilà, on a son petit pantalon. <coughs> ok, on va mettre un peu plus de fesses. Voilà, ok. Ici, par exemple, on va remplir le... On va utiliser le... comment dire l'outil euh, fil qui permettra donc de remplir les zones là pour éviter que ce soit trop marqué. Alors, on lui faire une strength un peu plus fort au fil, voilà, ça remplit plus vite les trous. Strength égale force, bien évidemment. Ok, je vais prendre maintenant par exemple le crease. À nouveau pour ici marquer ce pli voilà hop voilà maintenant j'ai utilisé un peu le grab pour euh, améliorer le volume de ma chaussure donc là je vais augmenter tout bêtement la taille de mon radius hop et venir essayer de Minimiser un peu la taille complète de l'ensemble. Ok. Donc maintenant, je voudrais aplatir un petit peu mes semelles. Donc pour cela, on va prendre l'outil Flatten qui va lui permettre de d'aplatir. Ok. Donc là, ça l'a un peu incliné. On va essayer de le faire Flatten ici, comme ça. Hop, voilà ça me le met un peu plus à plat là je trouve qu'il y a une espèce de coup de pied pas très joli on va à nouveau prendre grab voilà essayer d'aplatir un petit peu cette zone de creuser un petit peu l'intérieur du pied ok on est pas mal all right et venir pourquoi pas donner juste avec un draw ici une épaisseur Ouais, c'est pas très joli, je reviens en arrière, j'ai refait mon espèce de coup de pied malheureux. Donc là, il faudra quoi qu'il arrive plus de détails pour modéliser la suite. Donc pour des bases de la sculpture, il faut bien évidemment s'entraîner. Là je vais lui demander un dernier remèche avec .005. Remèche. Donc pour ça je sors de DIN et j'envoie le remèche. Donc, logiquement, mon maillage maintenant est beaucoup plus fin. On va le tester par exemple avec d'autres fonctions. Donc, je vais afficher mon Q-menu, euh, tout le setting. Rappelez-vous qu'il faut l'afficher et l'éteindre quand vous êtes passé en full screen. Là, vous aurez tout un tas d'autres options possibles, bien évidemment, sur chacun de vos outils. Donc, là, tout simplement, on va réactiver un smooth shading. Donc, on va mettre le DIN topo. Hop, smooth shading. C'est fait. On sort du DIN topo. Il A fait son smooth shading avec un petit peu de lissage. On va venir comme ça la corriger l'effet justement de la création de notre remèche. Et sinon, ça fait un effet vraiment papier froissé. Un très léger lissage. On voit que là, mon lissage du coup est de moins en moins violent. Ce que la mine de rien, ma, ma topologie commence à prendre un peu de consistance, mon maillage est de plus en plus intense. Là, si je vais dans le mode Edit Mode, voici à quoi ressemble ma géométrie. Donc, on voit qu'on a beaucoup plus de maillage. OK. On va essayer d'en faire un petit peu aussi. Oups, je me suis trompé de bouton. Majuscule pour se réorienter. Shift pour lisser à nouveau. Voilà. Enlever ce côté carton. Que voilà. Donc le sculpte, en fait, c'est de l'expérience. Il va falloir, bien évidemment, y aller petit à petit pour commencer après à rentrer dans des détails de plus en plus fins. Hop. Donc bien maîtriser déjà les bases est essentiel. Contrôle, creuser. Hop. Contrôle, shift. Et donc voici les bases donc de la sculpture. Donc la suite, ce sera donc dans la prochaine saison. Et dans la prochaine saison, on créera un intérieur qui va nous permettre, donc comme ça, de pouvoir mettre nos premières réalisations, de maîtriser Eevee dans ses bases, pour pouvoir éclairer, etc. etc. Donc voilà, à partir de là, bah justement, il va falloir passer du temps pour venir prendre tout ça, contrôler toutes ces possibilités bien travailler progressivement Hop. et en tout cas réussir à réaliser un maillage assez rapidement pour pouvoir directement le sculpter donc avec blender et on verra petit à petit des fonctions de plus en plus avancées qui permettront d'aller bien évidemment de plus en plus loin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette saison qui s'achève avec le sculpt dans Blender et donc je vous dis à tout de suite pour les prochains tutos.